Ja. Sie? Wow! Theo? Non, parce que... Luna est intriguée. Doux avec le chat, doucement. Anto nous a fait des bonnes crêpes protéinées. Ce matin, sa recette, je l'avais partagée dans un ancien vlog, mais je pourrais le remettre si jamais vous voulez. C'est vraiment simple à faire, c'est super bon. Puis ça bourre vraiment beaucoup avec un petit topping, même chose, de yogourt grec et pas de protéines. Ça, c'est mélangé... Oh. Crème glacée à la vanille, puis Oreo. On mange vite, vite, genre debout, parce que Théo est en train de jouer dans sa chambre, il chillait. Fait que, faut checker le désastre qui est en train de se passer. Coucou! C'est quoi toutes ces lingettes? On n'entendait plus un son, on nous demandait comment ça. On comprend maintenant, hein? On est revenu quand même vraiment tard hier de nos activités avec nos amis. On est allé prendre un verre aussi après, vu que ça a été un petit peu plus rapide que prévu, mais c'était vraiment cool. Ouais, vraiment. T'as aimé ça? Ouais, on dirait que j'ai envie d'en faire plein. Ouais, c'est ça. Après ça, on se demandait si on en refaisait pas un autre. Puis je pense que le deuxième était à 50%, qu'on était comme tant qu'à être là. Ouais. Mais là, ça en est quand même genre 9h, puis il m'a donné, tu sais, c'est une heure de plus, puis on s'est dit, ben regarde, c'est juste quelque chose qu'on va refaire souvent. Dans le fond, c'est exactement le même que moi j'avais fait, puis c'est ça, je savais pas. La clé l'énigme qui était à Saint-Gilles-Avant, puis qui est rendue à Saint-Bruno, dans les promenades de Saint-Bruno, maintenant. Mm. Puis on a genre plein de levels, là. Débutant, intermédiaire. J'imagine, t'as avancé, ouais, c'est ça. Mm. Fait qu'on s'est dit que c'était sûr qu'on allait en refaire un. Nous, on a fait Mission Impossible. Je vais pas spoil trop d'affaires si jamais vous allez le faire, là, mais. Il avait raison pour les lasers. Il y avait des lasers. Ouais, fait que c'est vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Une belle idée d'activité. Si jamais vous cherchez quoi à faire avec vos amis ou votre famille, c'est ce qu'on disait. Mon frère, il était ici, puis on était comme, c'est sûr, tu triperais. La mère Anto, c'est sûr qu'elle triperait là-dessus. Genre, tout le monde aime ça, résoudre des énigmes. Puis en groupe, c'est toujours plus, c'est encore plus cool. Très content de ça. On déjeune tranquillement, pas vite. Il est quasiment midi. Moi, je me suis levée, my god, tellement tard, ça n'a aucun sens. Je pensais qu'il était genre 7h le matin. J'ai regardé mon cadran et il était rendu 10h. Je pense que ma nuit d'insomnie de la veille m'a fait penser que j'avais besoin vraiment beaucoup de sommeil. Anto a pris le fort pendant ce temps-là. Et puis, ils ont joué, ils sont allés prendre une marche. T'es allé regarder le baseball. Ouais, je voulais regarder le baseball, faire un paquet d'affaires. Mmh, là, on déjeune. Anto va dîner dans relativement pas longtemps. Il est quelle heure? 11h40, ouais. Et on va checker qu'est-ce qu'on lui donne. Il a sorti son petit livre? Ouais, j'avais donné tantôt, mais on joue avec. On va probablement quitter tout à l'heure, pendant sa sieste, moi je vais me préparer, ramasser un peu, faire différentes choses, puis après ça, on va sortir, il annonçait genre vraiment de la pluie toute la fin de semaine, fait qu'on était un peu embêtés sur quoi faire, mais... Arrive mon coco! Il chine des mains. Bon. Il est vraiment rendu à un âge aussi qui est quand même cool. Ou est-ce qu'il a commencé genre à être capable de jouer tout seul? Tu sais, des fois c'était tout le temps comme nous qu'il fallait qu'il l'entertaine. Là il commence à être capable de prendre des cubes, des trucs, puis c'est vraiment se faire des genres de petits jeux, des petits scénarios. Des fois on se retourne puis on le regarde puis t'es juste puis il joue tout seul, puis il rit tout seul. Et c'est vraiment mignon. Fait que ouais, on va terminer notre déjeuner, faire dîner Théo. Puis voir où la journée nous mène. J'étais en train de me préparer, puis je voulais remplir ma petite pochette en même temps. Je me suis dit que c'était le moment parfait. Fait que je vais genre laisser en préparant tous mes produits que j'utilise sur une base régulière sortie pour directement mettre dans ma pochette, puis avoir genre tout mon maquillage que j'utilise sur une base régulière là-dedans. Mascara. Ça là, je le garde, mais il est fini. Donc on va le jeter. Ça va nous permettre de faire un petit clean-up en même temps. Notre mascara. Waterproof. Mes Cash Cern. Du moment, ça dépend vraiment qu'est-ce que, en fait, quelle vibe je feel. J'ai les Fit Me ici. Le Derma Blend que j'adore. Je l'aime vraiment beaucoup. Très, très, très couvrant. Fait que quand, mettons, j'ai des imperfections que je veux vraiment pas qu'ils paraissent, j'utilise ça. Puis sinon, pour un look plus naturel, ceux de Mirrored Beauty, les...
genre fond de teint cache-cerne en bâton. Ça fait vraiment longtemps que je les ai, puis ils t'offrent vraiment beaucoup. Sinon, un petit mascara travel size de Rare Beauty. Deux produits à sourcils, un de Essence que j'utilise sur une base régulière, puis l'autre de Fit Me que j'utilise plus quand j'ai des trucs spéciaux. Sinon, ma poudre de Fit Me, ouais, je l'aime correct. Parce que j'aimais vraiment beaucoup la poudre de e.l.f., la Sheer Tint. Elle est discontinuée, je pense. Je suis plus capable de la trouver, il m'en reste genre une, mais dans une couleur vraiment plus pâle. Comme c'est ici, fait que je suis très triste de ça. J'essaie d'en trouver une similaire. J'avais la Fit Me que j'ai utilisée, mais c'est vraiment pas comparable. Fait que je vais mettre tout ça avec mon bronzer de Too Faced que Théo a brisé en lançant par terre. Sinon, ma poudre translucide de Wet n Wild. Mon bronzer de Benefit, le Oola, qui est vraiment bon, que j'adore. J'ai-tu d'autres choses ici? Tu sais, les autres, c'est des produits que je vais utiliser, mettons, une fois de temps en temps pour... C'est des looks spéciaux, des looks particuliers ou des événements spéciaux, mais pas sur une base régulière. Mon highlight de Mirrored Beauty, blush de Wet n Wild que j'adore, fond de teint Fit Me. Comme ça ici, il faudrait d'ailleurs que je me procure une teinte un petit peu plus pâle que ça pour quand je suis pas bronzée. Mes blushs de Mirrored Beauty, j'aime vraiment, vraiment leurs produits. Donc, au cas où ça paraît pas, même chose pour... leur bronzer en bâton. Puis j'ai commencé à utiliser le gel à sourcils transparent de Lookie. Puis la cire qu'ils m'ont envoyé, la cire à sourcils qu'ils m'ont envoyé il y a une couple de semaines. Puis je les aime vraiment beaucoup. Il n'y a aucune couleur, c'est transparent. Fait que tu sais, mettons moi que j'ai du microblading. Fait que sur une base régulière, je me maquille jamais les sourcils. Là, c'est vraiment juste, mettons, la fin de semaine ou quand on a des activités en particulier. Mais sinon, j'aime ça mettre ça juste pour que mes sourcils restent... il reste juste genre en place puis qu'il soit pas tout fou. Fait que ça, je pense que je vais les mettre aussi dans mon kit. Puis mon petit recourbeur à cils. Ah ben ouais, j'avoue qu'ici j'ai d'autres affaires que j'utilise quand même souvent. Là, ma base illuminatrice de Burt Bees. Ma base Face Primer All Nighter de Urban Decay que j'adore. La BB Crème de Maybelline aussi. Puis je dirais que c'est pas mal ça. Jouviance m'avait envoyé un baume à lèvres repulpant, le Plump and Go, qui est vraiment génial. Fait que je peux le mettre là-dedans. Je pense jamais à l'utiliser, mais je l'aime vraiment beaucoup. Fait que je vais le mettre là, comme ça je vais le voir. Puis dans la section en haut, où est-ce qu'il y a genre toutes mes petits... je peux mettre tout plein de pinceaux. Je vais mettre mes pinceaux que j'utilise aussi sur une base régulière. Fait que dans le fond, je vais comme tout avoir là-dedans. Il va juste me rester gentil mes produits pour la peau, mettons crème hydratante, vitamine C, que qui reste dans à leur place. Donc, ça ressemble à ça. Vraiment pratique. Si jamais je voulais mettre d'autres choses aussi, je viens de voir qu'il y a une petite pochette ici que j'avais même pas remarqué. Fait que très pratique. Vraiment contente de ça. Puis ça va être pratique quand je vais vouloir justement me préparer. Puis juste amener des trucs. Mon bureau est vraiment bordel. Faut vraiment que je m'occupe de cleaner ça. Mais du moins, là, tout est à la même place. On est venu faire un petit saut au Michael's. Parce que j'ai vu les stories de Flo Marcotte ce matin qui disait que... Oh! qui disait que il y avait de la belle déco d'automne ici. Des citrouilles puis un paquet d'affaires. Puis vu que j'ai l'impression que tout est en train de partir vraiment vite, comme je disais hier... Je voulais venir voir. Je suis vraiment excitée. Je sais pas ça fait combien d'années que je suis pas venue ici. Ah, excuse. Fait qu'on... J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va trouver. J'ai un tout petit panier. Théo adore magasiner. Fait que c'est pour ça qu'on l'amène tout le temps avec nous pour ça. Et comme de fait, elle avait raison. La promotion, c'est acheter-en un, obtenez-en un gratuit. Ça va être ton premier automne? Non, c'est pas vrai. Deuxième. Check, sont belles. Jackpot. Sont écœurantes. Sont vraiment, vraiment belles. En tout, rempli Théo de petites citrouilles. T'aimes-tu ça? Cute. Je suis vraiment comme un enfant dans un candy store. T'aimes-tu elle ou elle est trop funky? Pas tant. S'il y en a une verte qui est genre vraiment grosse, mais que je trouve vraiment belle. Mais à ce prix-là, je suis pas certaine. Il y a tellement du beau stock. C'est cool, hein? Je sais.
En plus, tu sais quoi, c'est la fête à maman à l'Halloween. C'est un mardi. C'est un mardi, wow. Ça, c'est cute. Ouh, check ça. Elles sont belles. Elles sont vraiment belles. C'est vrai que c'est cute. Tu mets deux pouf-flans sur la porte. Ouais. Tu mets ça, là, dans le temps de l'automne. On va virer un petit peu cray-cray d'un pumpkin. Ouais, mais je trouve ça beau. Puis c'est le genre d'affaire que tu restes vraiment longtemps. Ah non, pas de tête de mort, là. Genre la journée de l'Halloween, oui, mais... Cute! Vraiment de la belle déco. On dirait que je m'attendais pas à ça. Dans ça, puis le vase qui est là-bas aussi, qui est vraiment cute. Check toutes les feuilles, là. C'est vraiment genre le paradis pour toutes. J'ai l'impression. Autant genre pour les enfants que pour les adultes, clairement. C'est quoi? Oh mon dieu. Model Engine Kit. Ah oh, ouais, c'est genre des expériences scientifiques. Ah oh, ouais? Oui, t'es là toi? On savait pas. Très contente de nos trouvailles. Comme toute décoration, c'est clairement un investissement, mais... J'aime vraiment les modèles qu'on a trouvés. C'est la première fois que les deux, ou presque, qu'on allait. Moi, comme je dis, j'y allais il y a peut-être genre 10 ans. J'ai complètement oublié ce qu'il y avait là. Mais vraiment cool comme magasin. Ouais. Ça me faisait penser au magasin de serre. Que c'est toi. Beaucoup de trucs artistiques, là, mettons, des toiles, de la peinture, mais t'as des bonnes marques, là. Des bons pinceaux, tout ça, fait la même. C'est pas des trucs cheap non plus, là. Non, c'est ça. Il y en a, mais... Ouais. Quand même des bonnes marques, donc c'était quand même cool. Ouais, vraiment. Puis tu sais, t'as du stock pour faire. Hey, ça m'a rappelé des souvenirs là, de DIY qu'on faisait quand on était jeune. Là, je me demande par où repasser. Qu'est-ce qui est le plus rapide, à droite ou à gauche, tu penses? Tu sais, quand on était jeune, puis on faisait genre des formes comme des lézards ou peu importe, avec des cordes à l'extérieur, puis des billes qui passent à travers. Ça, j'avais complètement oublié l'existence de ce genre de trucs-là. Des petits. Comment on appelle ça? Le genre de petites trouvailles que tu fais dans des roches de sable. Tu sais, c'est des paquets de sable concassés. Ben, pas concassés, comme compactés. Ouais. Puis tu creuses, genre, ou tu tapes avec une petite pioche pour essayer de sortir. Ouais, là, c'était, mettons, des pierres. Je me souviens plus, c'était quoi, moi? Il me semble que c'était genre des petits animaux, mais je suis plus sûre. C'est des affaires qu'on avait oubliées, ouais. Tu sais, que tu oublies avec le temps, là, mais il y a des cordes. Des bricolages, genre de refaire des bricolages avec le petit, justement. Ouais, vraiment, puis ça va être bon pour son... Ouais, c'est vrai que c'est ça à droite. Ouais, ben, très belle découverte, ce magasin-là. Je me suis inscrite pour recevoir des promotions aussi. Fait que si jamais il y a d'autres spéciaux, je me dis, ça vaut la peine qu'il y ait des spéciaux, parce que pas de spéciaux, pour vrai, c'est vraiment cher, là. Je trouve, personnellement, même si la déco est super belle, j'ai l'impression que c'est le genre de truc souvent qu'on serait capable de trouver genre au Winners pour pas mal moins cher. Mais quand c'est en spécial, justement comme achète-en un, obtiens l'autre gratuit, ça vaut vraiment la peine. Fait que, full equip! On va aller rejoindre un couple d'amis à nous autres avec leur petit coco. Une petite heure ou deux, on va voir qu'est-ce qu'on décide de faire. Si on décide de spec les autres ou pas, je pense que ce serait pas. Je mange une bonne poutine de maison. Ouais, on va avoir vraiment une soirée super tranquille ce soir, là, fait que... Je suis encore en fin de rhume. J'ai arrêté de le dire à un moment donné, mais je suis encore en fin de rhume. Fait que je suis pas full d'énergie. Anto, il a pas super bien dormi. Fait que ça va nous permettre de récupérer de notre grosse semaine qu'on vient d'avoir, puis de la grosse semaine qui s'en vient aussi. Ouais. Hein. On a plus les samedis qu'on avait. Ça, c'est définitif. On est revenu à la maison. Puis on a fait la routine du soir du petit. C'est toujours un peu le chaos, j'ai l'impression, dans ce temps-là. Parce qu'on revient, on fait souper, le bain, biberon, nanana, l'histoire, dodo. Puis on est là. Anto est en train de préparer notre souper ce soir, comme il a dit tout à l'heure. On va manger une bonne poutine maison. Il a vraiment envie de manger ça. On fait des frites maison avec des patates qu'on avait coupées dans les air fryer. D'ailleurs, merci. Je me souviens plus.
de ton nom. Mais il y a une parmi vous qui m'avait dit ne mettez jamais le air fryer sur le four parce que ça peut faire craquer la vitre de four. Puis c'est toujours ce qu'on faisait parce qu'on porte tout le temps la fan en même temps pour justement que ça aspire l'air. Puis depuis ce temps-là, on le fait plus. Fait que je le dis si jamais vous étiez aussi porté à faire ça. Ça a l'air que ce n'est pas une bonne pratique à faire. Fait qu'on a nos frites ici dans l'air fryer. Tu l'as mis à combien de temps? Combien? 400. Je sais pas calculer. Pendant plusieurs minutes, là, mettons 30 minutes on and off, juste parce que nous, il était vraiment plein. La petite sauce à poutine ici. On se met du poulet aussi dedans pour une petite source de protéines. Fromage squeak squeak. Puis une chose que j'aime vraiment beaucoup, qu'on aime vraiment beaucoup là, de la poutine Saint-Hubert, c'est la sauce côte levée dedans. Fait qu'on a décidé de faire ça pour ce soir. Puis on va en mettre dans notre poutine pour que ça goûte un petit peu comme ça, avec des oignons verts. Ouais, s'il te plaît. Puis c'est... ça va être vraiment très bon. Moi, pendant ce temps-là, j'étais à la recherche d'un film pour écouter ce soir. Il vient de se mettre à pleuvoir, genre vraiment intense. Donc ça va être la soirée cozy par excellence. Je pense que notre choix s'est arrêté sur Blonde Atomique, qui est un film d'action, filige en film d'action. Je n'ai jamais vu, jamais entendu parler, mais bien hâte d'écouter ça. Puis vous avez sensiblement vu ce que j'ai pris au Michael's, mais je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemblait. Fait que j'ai pris ces deux bouquets de fleurs-là que je trouvais tellement trop beau. Vraiment des belles couleurs avec une petite citrouille, deux petites citrouilles dedans. Mais j'aime vraiment le mix de couleurs dedans. Là. C'est exactement le genre de choses que j'adore pour l'automne, pour remplir les vases. Et puis c'est le genre de truc aussi qui est parfait à réutiliser d'année en année. J'ai pris cette petite citrouille-là, un genre de petit minou comme ça. Vraiment très 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 joli. Deux de cette couleur-là, qui est genre un espèce de orange délavé, parce que je trouvais ça vraiment cute. Je me dis que on a tellement de tablettes, tellement de place à décorer que ça allait être parfait. Celle-là qui fitait en plein dans notre décor, en genre de... C'est ça, là, en genre de corde comme ça, je sais pas trop. J'ai pris deux petites aussi comme ça, fait que vu que c'était deux pour un, ça valait quand même la peine, là. Fait que une petite brune puis une petite blanche crème. Deux comme ça, eux autres qui allaient ensemble, sont genre un petit peu plus basic, mais je me disais qu'à côté d'une grosse, les deux, une à côté de l'autre, puis une grosse à côté, ce serait vraiment cute. J'en ai pas de grosse, mais je me disais que petit DIY avec celle du Dollarama, là, ça allait être génial. Puis j'aime vraiment les blanches, parce qu'elles sont pas tout à fait blanches, elles sont plus crème, fait que ça fit vraiment avec notre décor. On a celle-là qui est un petit peu plus lourde, là, un peu meilleure qualité, avec genre un petit détail dessus, là. Vraiment très mignon. Puis finalement, juste une verte, comme ça, ici. On dirait que j'aurais pas pris ça normalement, mais je l'aimais bien. Puis je me disais que, évidemment, ça allait fitter avec le thème automne et tout. Je vais mettre ça avec notre autre déco d'automne, du temps des... pas du temps des fêtes, d'Halloween, etc. Là. C'est sûr qu'on décorera pas tout de suite, mais je me suis dit qu'à partir du 1er septembre, c'était acceptable. Fait que je vais mettre ça de côté d'ici là. Ouais, la sauce côte levée, je pense que ça va faire vraiment une belle différence. Tu veux-tu des gros morceaux comme ça? Parce que moi, j'ai cassé. Non, j'ai cassé moi aussi. Okay. Je les ai cassés dans le tien du dessous. Tu me dis quand tu veux, j'arrête? Mais tout ça. Ouais, un peu plus. Miam, miam, miam. Game changer, la côte levée. La sauce, ça... Ouais, la sauce à côte levée, ça fait vraiment genre, toute la différence. Bon matin! Bon matin! On est en mode marche matinale, Théo et moi. Ce matin, à tous les matins que c'est mon matin à me lever, je me dis « Hey, ce matin, genre demain matin, mettons, je me dis ça la veille, demain matin, je vais me lever, on va aller marcher. » On va sortir dehors. Puis à chaque fois, je suis juste comme, oh, ça me tente pas. Fait que, l'habitude, je le fais pas. Mais là, je me suis dit ce matin, regarde, je me donne un coup de pied dans le derrière. On va aller prendre une petite marche avant sa sieste. Ça va le faire prendre de l'air frais. Puis, c'est ça, changer d'air un peu de la maison. Fait que c'est ce qu'on fait. On a joué ce matin, on a déjeuné. On a pris ça chill. Fait que,
un beau matin, il fait une belle nuit. Très contente de tout ça. C'est vraiment humide ce matin. Je m'attendais à ce qu'il fasse relativement froid parce que c'est vraiment gris. Puis, tu sais, pas de soleil, puis quand même un peu de vent. C'est tellement humide, puis je nous ai vraiment pas habillé en conséquence. Mais bon. On s'en va ce matin bruncher avec des amis. Je viens juste de finir de me préparer. Anto et Théo aussi. Et puis, il est en train de boire un petit biberon avant qu'on parte. On rassemblait les différentes choses. Puis c'est ça, on va aller manger avec deux couples d'amis et nous autres. Ça va être vraiment cool. Ben, dans le fond, le couple d'amis chez qui on était hier. Puis un autre couple d'amis qui va venir avec nous autres. Et puis, on va dîner là, passer quelques heures ensemble avec les enfants. Et puis, par la suite, on va aller voir... la grand-maman, l'autre grand-maman, faire un petit tour, lui dire un petit coucou en milieu d'après-midi, genre, plus ou moins. Puis revenir ici pour le reste de la journée. Mais ouais, ça s'annonce être une très belle journée. Fait que je voulais y aller vraiment casual ce matin. J'avais vraiment pas envie de me forcer plus que ça. C'est la température est genre un peu weird, là, fait que je sais comment, on dirait que je le feel pas tant. C'est un petit crop top comme ça, du Ardennes. Mes jeans, ça fait super longtemps que je les ai, sont plus dispo, mais je les adore. Et puis mes souliers noirs, comme ça, mes high top, que j'aime vraiment beaucoup. Fait que, let's go au brunch. Il va falloir arrêter à l'épicerie avant d'y aller pour aller chercher notre contribution. Laisse-tu de la glace au pire, ça te stresse? Ouais. Ouais, mais les têtes, ils voulaient rien savoir. Ouais, ça. On a réussi quand même à en mettre un peu au-dessus. C'est cool les blocs, hein? Hein? On vient tout juste de revenir à la maison. Puis on pensait vraiment pas être parti aussi longtemps que ça. Mais on a vraiment passé une belle journée. C'était super cool. On était dehors vraiment une bonne partie de la journée. Théo, chez nos amis, a fait une méga sieste de genre 2 heures. Fait qu'il a fait une grosse sieste de 2 heures ce matin, quasiment. 1h30, 2 heures. Puis un autre 2 heures cet après-midi. Clairement, il y avait du sommeil à rattraper. Là, il est rendu 6 heures. On vient juste de revenir. Et puis, on va préparer son souper. On va le faire manger, mais pas trop intense parce qu'il a comme vomi beaucoup de lait. Il prend vraiment moins de lait là, depuis les dernières semaines. Il accepte vraiment plus de prendre du lait. Bon, il en a donné un peu, mais j'ai l'impression que c'était quand même trop. Je sais pas pourquoi. Puis la mère de mes amis d'enfance, l'autre grand-maman, a fait de la préparation meal prep pour Théo. Son fameux tofu parmesan là, qu'elle nous faisait tout le temps.
qu'elle nous a fait aussi. Qu'elle nous a fait en plus pour nous aussi. Une version pour Anto et moi, avec du fromage gratiné dessus, puis une version pour Théo, pas de fromage gratiné. Qu'elle était comme, tiens, votre souper va être faite. Regarde, trop fine. On va être prêt, faire chauffer un petit peu de ça. Et en donner un petit peu, justement, pour pas trop le bourrer, là, parce que je sais pas si c'est à cause de ça qu'il est malade ou quoi, là, mais bref. Fait que, ouais, super belle journée, sinon, vraiment, vraiment cool. C'est très le fun. On dirait que je suis encore pleine du brunch, puis ça fait genre 6 heures qu'on a fini de manger. Pourtant, on va se faire manger, mais quand tu manges tard, des fois, c'est comme si ça te garde bourré longtemps. Ouais, Théo joue avec mes clés. Fait que, on va défaire le stock, préparer ça un peu, puis manger tout le monde. Ça va être délicieux. Fait que dans le fond, je pense que j'en ai déjà parlé, mais c'est un tofu parmesan, un peu comme un poulet parmesan, mais avec du tofu. Je connais pas la recette exacte qu'elle utilise, c'est vraiment pas la première fois qu'elle nous le fait. Puis, mais ça, je suis sûre si vous checkez sur internet, genre tofu parmesan, vous êtes capable de trouver une recette similaire à ça, mais c'est vraiment bon. Moi, je trippe pas sur le tofu d'habitude, mais c'est vraiment une des premières fois où j'aime ça. Je vais me prendre avec ça un petit bubbly. Ananas, j'ai découvert ça il n'y a pas super longtemps, puis je capote là-dessus. Fait que, on va prendre ça, puis on va relaxer après ça en mangeant. Puis, ouais, décompresser notre journée, il me semble qu'on était ça à go toute la fin de semaine, mais ça a été un très beau week-end. Fait que je pense que moi, j'ai terminé le vlog là-dessus, fait que j'espère que vous avez apprécié venir avec nous ces derniers jours. Soyez sûrs de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un pouce si vous avez aimé, puis on se revoit très bientôt. Bye tout le monde!